L'opération d'enrôlement des électeurs débute ce dimanche 30 avril 2017 sur toute l'étendue de la province du Kasaï-Oriental. Bien avant cela, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, venu pour la circonstance en Mbujimayi, a tenu ce samedi 29 avril la réunion du cadre des concertations de la CENI qui regroupe cette institution d'appui à la démocratie autour des autorités politico-administratives, des représentants des partis politiques de la majorité présidentielle, de l'opposition, la société civile et les forces vives. C'était dans la salle des spectacles du club Miba, en présence du gouverneur du Kasaï-Oriental. Norbert Basengezi Katintima annonce le premier enjeu de la révision du fichier électoral, à savoir la concurrence interprovinciale sur le nombre d'enrôlés. Notre mission n'a pas beaucoup d'objet, c'est de vous donner votre carte d'électeur qui constitue en vous un droit, mais aussi un devoir. 1 325 000 enrôlés sont attendus au Kasaï-Oriental. Alphonse Ngoï Kiasangi demande pour sa part à ses administrés de tout faire pour atteindre au moins 2 500 000 afin de permettre à la province d'avoir un maximum de représentants au Parlement de la prochaine législature. Je lance donc un message à toute la population du Kasaï-Oriental de se mobiliser comme un seul homme pour participer massivement. Aucun enfant, à partir de 16 ans, au-delà, aller à l'enrôlement. Je demande aux chefs de rue, chefs de quartier, bourgmestres de communes, maires de la ville, vous tous, les administrateurs de territoire, les chefs de secteur, vous veillez à ce qu'aucun enfant ne reste à la maison sans s'être enrôlé. Le numéro 2 de la CENI a remis officiellement des kits d'enrôlement à l'autorité provinciale qui les a présentés directement aux forces vives. Puis est venue l'étape des questions-réponses avant l'enrôlement symbolique de quelques personnalités dans la salle, dont le gouverneur de province qui a reçu sa carte de formation. Cette cérémonie était l'occasion pour le vice-président de la CENI de féliciter Alphonse Ngoï Kiasangi et la population du Kasaï-Oriental de n'avoir pas toléré la barbarie des terroristes des Kamuina-Nsapu dans leur province, ce qui a facilité le début rapide de l'enrôlement.